Lea, haben wir nicht einen Table, der Chef? Wir sehen einen Table, einen Table. Es ist so zu der Chef. Der Chef, der Chef. Oh, so was ist das super gentil. Merci beaucoup. Tu as un bon maître d'ordre. Il s'appelle comment? Gibe? Gibe, oui. Gibe. Gibe, c'est un bon nom pour un maître d'honneur. Oui, oui, je trouve que c'est bon. Merci. Et une pour madame Carutier. Oh, merci, tu es trop gentille. Merci beaucoup. Tu as une fille, c'est ça? Oui, mais tu connais ma petite Romaine. Ah oui, Romaine, elle est super jolie, très blonde. Oui, très très blonde, pas comme moi. Et elle a quel âge maintenant? Elle a 18 ans maintenant. 18? Oh, elle commence à être un peu vieille. Oui, elle est presque grand-mère. Oui, il faut qu'on trouve un mari pour elle. Oh, j'ai pas pensé à ça. Oui, il faut qu'elle ait des enfants très bientôt. Sinon... Mais qui? Avec qui est-ce qu'elle pourrait se marier? Oh! Bah, en fait, j'ai un fils. Ah bon? Oui, c'est vrai. Il s'appelle Perry. Ooh, Perry, Oui, il est très beau. Il a des cheveux noirs. Il est super sportif. Et très intelligent, je suis sûre. Il est super intelligent. Mais je ne sais pas si Romaine veut se marier, vous savez, elle veut devenir chanteuse célèbre, elle ne veut pas avoir un mari, je crois. Tu penses vraiment que ça c'est sens? Je pense qu'il faut qu'elle marie, et avec mon fils. Bon, oh, d'accord, je suis d'accord que c'est l'heure pour elle de se marier. Oui, mais je veux être sûre. On ne manque pas quelqu'un parce qu'on va trop vite avec ton fils. Non, ça va. J'ai une idée. On peut avoir un tournoi pour gagner sa main en mariage. Je ne suis pas sûre. Ça sent un peu médiéval. C'est vrai, ça semble le 17e siècle. Le médiéval, c'est un peu loin. Oui, c'est pas un peu saison dernière. Mais en même temps, c'est si cool d'avoir un tournoi avec les chevaliers qui viennent, qui font tir à l'arc et les choses comme ça. Oui, c'est décidé, on va avoir un tournoi pour le main de mariage de ma fille. Ok, c'est pas grave, Paris est super sportif, il va gagner. Oui, ok. Merci bien pour venir. Oui, c'était génial. Et à tout à l'heure. Ok. Au revoir. Au revoir, madame Capucine. Ok, Jim. Il faut que je te dise quelque chose. Ça change quoi? Je suis super jalouse de madame Capucine. Raconte-moi. Elle a beaucoup de l'argent. Et moi, j'adore faire du shopping. Alors, il faut que Perry, mon fils, super beau, super sportif, se marie avec Romaine, la blonde. Et puis comme ça, moi, je peux avoir l'argent. Pas tous. Tu vas faire ça. Parce mais que oui. Paris est très fort, il va gagner le tournoi. Il va gagner. C'est pas possible. Ok, il faut pas m'inquiéter alors. Non, okay. T'inquiète surtout pas. Il ne faut pas faire le tournoi. Non, il faut faire le tournoi. Gagner, mais j'ai une idée. Oui, tu m'écoutes. Fais-moi, oui. Ok, il faut que toi, tu sois espionne. Tu vas aller à la tournoi. Moi, espion? Oui, et tu vas assurer que Perry gagne. Tu peux faire ça? Oui? Je crois que oui pour toi, madame.
Oui. Merci. Ok. C'est je t'en prie. Ok. Un peu plus. Ok. Les oiseaux, ça va? Oui,
peux faire ça pour moi? Une grande affiche? Une très très grande affiche. Ok. Ok, merci. Ici? Oh, oui, oui, ici ça va. Romaine! Ok, alors... tournoi? Oh, moi j'aimerais trop un tournoi pour moi. C'est tellement romantique! Un tournoi pour se marier. Tournoi de... Mais si c'était pour moi, oh wow, c'est tellement bien. Mais vous voyez, parce que pour moi, ça serait une opportunité magnifique. Et l'amour, c'est tellement beau. Et même si elle veut être indépendante, mais c'est beau l'amour. Même si indépendant, mais beau l'amour. Indépendant, c'est beau. Ensemble. C'est invisible. Oh, c'est invisible.